Bon, on est reparti, on va aller là. Pas peut-être ta monture ici? Pourquoi? Ouais, tu pouvais pas. Bizarre. Oui, l'objet. L'objet. Les mêmes fleurs que celles trouvées sur le moine. Voilà sûrement ce que le moine voulait cacher aux Mongols. Elle appartient au temple de Kouchi. Ok, une relique. Portez la relique. Non, il faut même. Faut pas l'amener ici. Salut Silver, ça va? On va faire les trucs autour. Bon ouais, ça va nickel. Loupiaf. Compris ce que vous voulez faire, mais ouais, du lin.
Je sais pas. Je viens de finir l'île d'Iki là. Derrière. Je suis là. Acte 2. Oh, l'acte 2. Hop. Allez, je me retrouve avec le B de Xbox, là c'est le B de la Switch. C'est un peu... Ninja. Ça c'est bon. Ça va? Affrontez-moi! Affrontez-moi! Des stress! Ready?
Demain ? N'importe quelle heure ? Par rapport à quoi ? Il va se barrer ou ? Bon, ce sera plus le soir à 8h30. Faut que je le lance pour finir la campagne que j'ai commencée. On regardera peut-être après. Attends. J'ai quand même allumé le phare, non ? Mais je m'en avais. Faut que je finisse absolument le... Après, je peux le reprendre. De toute façon, j'étais avec qui ? Je ne sais plus. Tout seul, c'est la misère. Il y a des classes, c'est super chaud tout seul. Je sais même plus quelle classe que j'ai. Je crois que j'ai la Valkyrie, non ? On va faire pas mal de jeux là aujourd'hui. Je fais une heure de ça pour dire de... d'avancer un peu. Ouais mais non mais t'inquiète, de toute façon c'est un rogue. Bon, je vais recommencer avec un nouveau perso. Je le fais avec tous les persos. Je crois que j'en ai déjà fait Je l'ai fait avec deux persos pour l'instant. L'archer et le guerrier. Oh, c'est le plus facile.
guerrier et archer, c'était assez facile, toi. Surtout l'archer. Mais là, t'es d'autres classes, il me faut deux personnes au moins, parce que franchement, c'est casse-couille. Casse-couille ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez rendu espoir. Tu vas me ranger ce bordel aussi ? Qu'est-ce qu'ils font, eux ? C'est bon. Bah, je vais pas aller trop par là, on va aller là. Là plutôt. Non mais franchement avec l'archer, le guerrier, ça va aller, c'est les autres classes que ça va être compliqué. Bain ? Pas du tout. Tout le bas, tout l'île d'Iki, ça t'est fouillé. Il reste encore des trucs, des parchemins, mais... Troisième. Bon après non, tu verras, y a pas à être connaisseur. En 2 minutes, tu connais le jeu direct. Élève ton regard. Dévoile la faiblesse cachée. Tournez vers l'avenir. Je pense que oui. Hein. Après, tu le lanceras vite fait pour être sûr. Mais normalement, t'as rien à perdre. Bon, bah, ça, c'est bon. Et où lit ? L'entends mais tu le vois non. Il est là le coup.
Non, maintenant, maintenant, descends. Pardonnez-moi, j'ai cru que vous étiez l'un des leurs. C'est Maître Iso qui a fabriqué cette statue. Les Mongols ne se sont pas contentés de tuer mon père. Il fallait qu'il souille son héritage. Tu es le fils de Maître Iso. Désolé d'apprendre sa mort. Son talent était sans égal. Cette statue était son chef-d'œuvre. Je pourrais la restaurer si j'avais ses outils. Ces meurtriers ont pris notre maison aussi. Je retrouverai ces outils, et nous honorerons la mémoire de ton père en restaurant son œuvre. Merci, Monseigneur. Notre maison se trouve en haut de la route de montagne. Et si vous pouvez le venger... Je le ferai. On va le venger. Quelqu'un se sert des outils de meurtre. Maître Iso, vous êtes en vie. Votre fils pensait que les Mongols vous avaient tué. Oh, pauvre enfant. Je vous conduirai à lui. Non. Si je suis vivant, c'est parce qu'un général mongol admire mon travail. Les Mongols vandalisent vos sculptures. Ils détruisent votre héritage. Il m'a demandé de créer une statue pour Kubilai Khan en personne. Je ne peux pas refuser. Prenez vos outils. Nous partons. Il fait, lui. Allez, on dégage. Laquelle de mes statues est endommagée ? Le Bosatsu, sur le chemin. Je l'ai sculpté en souvenir de la naissance de mon fils. Ce n'est pas la plus réussie. Il dit le contraire. Mamoru est un bon fils. Mais il ne s'y connaît pas beaucoup en matière d'art. Comment pouvez-vous trouver la réalisation d'une statue pour Kubilai Khan plus importante que votre famille ou votre peuple ? La famille, tout comme la nation, finit par mourir. Mais la courbe gracieuse des doigts de canon, la posture farouche d'un guerrier de pierre en plein combat, ces chefs-d'œuvre sont éternels. Vous pourriez concilier art et vie de famille. Un samouraï ne peut pas servir deux seigneurs. Il en va de même pour un artiste. Une bien triste façon de voir le monde. Le monde est empli de tristesse. J'aime mon fils, mais je suis au service de mon art. Par là.
Je l'égorge quand lui? J'attends ou? Cachez-vous. Pas un bruit. Qui veut m'affronter en propre silence? T'es stress. Oh, alors Lee, tu t'en vas où toi? Ils sont morts tous les deux quoi. Ah t'es pas mort. Je préfère. Pauvre enfant. Mon cher. Il est mort en défendant votre héritage. Je détruirai tout pour le ramener. Vous pouvez encore honorer sa mémoire. Devenir tel qu'il vous voyait. Pardonne-moi mon fils. Un point. On va faire ces trois là et on en retournera ici. Oh. On y va. Accélère, Sora. Point bas. Ça, ça fait plaisir. Ah si, il est super répétitif. Pour ça, j'y vais à petite dose. Quand les Mongols auront été chassés, je me gorgerai de poire de Shinano, de thon frais et d'algues sucrées d'Azamo. En fait, je pense que l'île d'Iki allait trop. Il y aurait pas eu l'île d'Iki là, je sais pas quoi. Oh, ça aurait été nickel. Toi, que ce territoire là? Ah, ces trois là. Et il y a eu ça en plus. Je peux pas zoomer dessus. Et ça, je pense que ça fait trop. Ils auraient dû, je sais pas, rajouter ça dans un DLC ou. Je sais pas. Après tu fais que les quêtes qui t'intéressent quoi. Ce sanctuaire a été profané.
par qui. Saccagé, volontairement, de toute évidence. Détruite. Cela a demandé des efforts et du temps. Oh, je vais tout faire, mais les parchemins, je sais pas. Pas de chiant. Tué puis abandonné ici. Quel mépris pour ces messagers sacrés. Après, t'es un petit peu obligé, oui et non, de faire les trucs secondaires, quoi. Là, je suis pété. Là, je suis overpété. C'est la haine qui a motivé de tels actes. Et je suis même pas à fond, j'ai même pas regardé pour mettre les meilleurs c'est jeux, qui a fait ça. Les meilleurs charmes ou quoi. Les blessés. Allez, hein. Cours. Ah non, il est pas blessé. Sûrement les responsables. On peut par contre les piquer là. Les piqués sont plus forts des boss. Hein. Si tu pars pas, t'es mort. Ta gueule toi. Ah, j'ai cru qu'il y en avait un dedans, mais non, c'était dit. Il était planqué. Et là, allez, on y va. Il en reste un. Eh, il y en a deux. Il a envie de pisser, lui. À Days Gone, ça m'a semblé moins répétitif. Après, ça, ouais, c'est quand même répétitif, mais ouais, j'ai trouvé ça moins répétitif. Non, en fait, tu fais ça. Hein. Tu fais la première île, bah voilà quoi. Tu sais que tu vas faire ça partout. Encore, la première île, c'est, je suis large. Hein. Limite la première région, quoi. Même pas si tu commences là. Elle dit que la moto et tout, ça passait bien, je sais pas. Après ça va, je suis pas lassé pour l'instant, mais faut que j'y vais à petite dose parce que je vais être lassé sinon. Je viens de faire Max Payne, Mad Max. À 100%, je peux le dire que celui-là est. T'en mets, hein. T'en mets dans les dents. Hein. Je crois que t'as. Je sais pas, je sais plus combien, 120 camps à nettoyer. Je suis l'élu. Allez, c'est le bûcheron, lui. Ah,
J'ai ça, j'ai encore une attaque en plus. Non, franchement, là, je suis pété. Hein. Tellement qu'ils se sont attaqués au sacré. Je suis vraiment pété. Viens là, viens là, viens là. C'était les derniers. C'était les derniers. Ils ne peuvent plus te faire de mal à toi et aux autres messagers divins. Puissent les morts trouver la paix. Nickel. On tout fout. Bon bah ça c'est bon. Aller où ? Y'a quoi ici ? Une faveur. On va remonter comme ça tout doucement. Je dois... Il n'y a pas plus résistant. Je vous laisse. À chaque coup, il change de chapeau quand je la mets. Parce que je l'améliore. Que j'avais. J'ai déjà mis ça. Trop bien, ça me restera encore plus que prévu.
férocité. Ok, ça c'est bon. L'île. C'est quoi ça? Aïe! Il va où, lui? Non. J'ai dit non. Putain, faut sauter sur le petit bord. Il y a autre chose à faire, non? Ben, le petit bord, il te faisait un petit saut et du coup, tu t'arrivais pas à sauter. Mais on y va. Mec, c'est pour que pour ça. J'ai raté un chemin du début là. Je suis passé partout sauf
j'ai sauté, il y avait un truc pour s'accrocher. Ah, c'est là-bas. Il est où le charme? Ah, il y est. Le couteau est sur la branche. Hein. On saute. Pas comment elle a pu le rater. Putain, Ellie. C'est là-bas, non? Je sais pas. Qu'en haut, y a rien. C'est là. Va savoir sauter ou... Les bâtards. Ah non, ça va. On sait qu'il fallait tout repérer. Thank you.
Ça va te péter ça. Merde. Je peux pas, il faut que je remplace les deux autres. Elle est où? Je la vois non. Basta. Pas besoin de ça, nous. L'un des camps d'entraînement de Tomoe est par ici. T'es dedans ? Un samouraï. Êtes-vous un esprit ou un vivant ? Je suis vivant. Pour l'instant. Mais que faites-vous ici ? Je craignais que mes teintures ne suscitent plus d'intérêt. Mais un samouraï vit encore. Mes couleurs sont celles de la nuit, des arbres noircis par le feu, du regard assombri par l'envie. Apportez-moi les matériaux nécessaires et je vous confectionnerai une tenue, monseigneur. Je pense que c'est la plus forte armure. Ma lune. L'obscurité vous sied. Les Mongols auront le sentiment d'affronter les ténèbres. Il m'en faut davantage pour obtenir la teinte parfaite. En vous voyant, on croira que la nuit elle-même a pris les armes. Au revoir. Vas-y. Que j'ai pas été là-dedans. C'est trop bien, c'est un sabre caché dedans. Les chapeaux des rondins. Celui-là. Je pense que pas mal.
flotte. Et pourquoi il a plus... Il a plus l'armure, lui. Il aime bien, ça. Allons-y, Sora. Ah si. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il l'a retiré? Voleur. J'ai l'impression que vous êtes attaqué au mauvais convoi. Ne bougez pas. Je vais mettre fin à votre agonie. Non, monseigneur. J'ai tué ces bandits. Et je ne compte pas arrêter avant d'avoir eu tous les autres. N'êtes-vous pas un des leurs? Pas par choix. Ils m'ont forcé à me joindre à eux, pour rembourser la dette de ma famille. Après avoir travaillé pour eux pendant des années, je suis rentré chez moi, et j'ai découvert qu'ils avaient tué ma famille. Qu'ils m'avaient tout pris. Je refuse de mourir, tant que je ne les aurai pas tous tués. Ces bandits méritent la mort, mais vous ne les vaincrez pas seuls. J'accepte volontiers votre aide. Je m'appelle Komyo. Jin Sakai, montrez-moi où sont les autres. Est honoré. Nous le ferons ensemble. Allons-y. Si vous avez des informations utiles, j'écoute. Bien sûr. Je connais bien ce camp. Le bâtiment, près de l'eau. C'est là qu'ils entreposent leur butin. Ok. Quel est ce bâtiment? C'est là que ces chiens dorment. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Ce sont les quartiers du chef, Gorohachi. Le chef. C'est le pire d'entre eux. Ils sont à l'écart du camp principal. Des sentinelles. Mieux vaut les éliminer en premier. Je ne m'attendais pas à un camp de cette ampleur. Ces bandits sont une menace. On les aura! On va les tuer jusqu'au dernier! Faites attention! Il est fou, dit. C'est Komyo! Est-ce qu'elle m'a dit? M'a frappé, je me demandais qu'est-ce qu'il voulait. C'est les pires, les piquets. Ils
ce bruit. T'as rien entendu. Arrête. Nous, on est discrets, nous. Chef. D'où chef? C'est dans cette maison là aussi. Dessus. Bon, c'était les derniers. Bah, le chef, je l'ai même pas vu. J'y suis presque. Il n'y a personne. Où sont-ils partis? Tu sais faire vite.
Calmer ou... C'est terminé. Putain, j'ai le courser l'autre. Vos blessures. Je ne peux rien faire pour vous. J'aurais dû mourir avant même que vous me trouviez. Vous avez vengé votre famille, Gomyo. Grâce à vous, monseigneur. J'aurais une dernière faveur à vous demander. Surtout, ne me laissez pas ici avec eux. Promis. Trouvez la paix, Gomyo. Nickel. L'un des camps d'entraînement de Tomoe est par ici. Ah, je vais dans un trou là. Dans le bon trou. Ah ! Le fantôme ! Ne me tuez pas ! Que se passe-t-il ? Prenez ce que vous voudrez ! Il va se calmer, lui. Écrasez les mongols, monseigneur. Merci. Merci pour tout. Il passe par la fenêtre. Bon, il n'y a pas grand chose. Prenez ce que vous voudrez. Pour qui me prenez-vous? Tout le monde sait que vous attaquez les caravanes. Le fantôme et le démon sensei. Ishikawa sensei, c'est insensé. Je vous ai entendu. Entendu? Quand? Il n'y a pas longtemps, ravageant la route comme des loups affamés. Il avait bu trop de saké, lui. Dina que c'est Corlotte. Non, c'est pas l'autre qui se fait passer pour moi. Ishikawa sensei et moi pouvons-nous être pris pour des bandits? Allons au nord, découvrir qui est responsable. Oh, impossible que c'est lui. Au nord. Plus vite, Sora! Envoyez votre meilleur guerrier.
Déstress. Avec ça. Je sais pas si je dois traverser. Là-bas en haut. Sakai, Sensei. Tu en as mis du temps. Ah bah, ne me remerciez pas surtout. J'ai comme j'ai pu, hein. Fantôme. Que s'est-il passé? Sa caravane a été attaquée. Les attaques se multiplient ces temps-ci. On raconte que vous volez des marchandises et que vous aidez les Mongols. Ne bouge pas. Je dois parler au seigneur Sakai. C'est l'œuvre de Tomoe. Elle sème la peur et la paranoïa. Elle attaque des convois puis nous accuse. Je n'ai pas rattrapé son groupe à temps. Je l'ai sauvé, mais pas les autres. Où a-t-il été attaqué? Près d'ici. Pourquoi? Si on trouve le lieu de l'attaque, nous pourrons pister les assaillants jusqu'à leur camp. En effet, oui. Un problème? Non, rien. Elle m'a déstabilisé. Nous allons l'arrêter. Repose-toi. Mange ce que je t'ai donné, et attends un peu avant de partir. Merci, Sensei. Montrez-moi où il a été attaqué. Allons voir ça. Allez. Comment m'as-tu trouvé? Quelqu'un a entendu un convoi pris en chasse. Les gens évitent les routes à cause de Tomoe. Quand j'ai eu vent d'un marchand qui tentait un ravitaillement, je l'ai suivi. On est là pour trouver et détruire le camp d'entraînement de Tomoe. Et la sécurité de l'île prime sur le reste. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre. J'allais au secours de ce convoi. Vous auriez facilement pu le rattraper. Vous servez d'appât. Et qu'est-ce que cela change? Il est dangereux de suivre cette voie, Sensei. Tomoe a bafoué tout ce que je lui ai appris. Puis elle m'a trahi. Et après moi, son peuple. Je la traquerai plus loin que l'horizon, s'il le faut. Accélère, Sora! Voilà le convoi. Et d'autres victimes de Tomoe. Voyons ce qu'il nous apprend. C'est une mise en garde aux habitants de Kushi. De Tomoe. Le seigneur Sakai et Ishikawa Sensei interdisent toute circulation sur ces routes, sous peine de mort. Sommaire, mais dissuasif. Pas d'autres survivants. Des flèches japonaises et mongoles? Évidemment. Ils ont fui par la route. Et nous les trouverons.
C'est la dernière fois que Tomoe et ses hommes attaquent quelqu'un dans la préfecture de Kushi. Viens. Et nous les tuerons. Et y'a l'autre, t'es où? Il se barre à des moments. Il m'écoute nain, le fumier. Dépêche-toi! C'est quoi ça? Descends de cheval! Vite, nous n'avons pas le temps d'étudier le camp. Voyez qui s'élance sans finir de nouer son hakama. Pourquoi est-elle seule ici? Je vais la détacher. Au secours! Vite! Ne bougez pas. Pitié! Là, tu le sens de moins en moins. Nous venons vous aider. Elle a dit... Tomoe? Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que je vivrai jusqu'à ce qu'un samouraï arrive. Non! La falaise! Bon, il est avec nous, je pense. Hein. Non, il en reste. Le reste, j'aurais pas bougé. Ah, je pouvais monter là en plus. Ça caille. Tomoe nous a tendu un piège, et nous nous sommes jetés dedans. Je lui ai parlé, il y a 2 jours. À Tomoe? À l'otage. Je l'ai entendu parler d'une japonaise qu'elle avait vue avec des Mongols. Je lui ai demandé de trouver où était leur campement et de me le dire. Vous plaisantez? Nous aurions pu la surprendre. Et c'est devant le corps de Tomoe que nous serions. Vous tenez des discours sur les valeurs des guerriers, et le mépris que Tomoe leur accorde. Mais vous n'êtes pas différent d'elle. Tu nous demandes d'être parfaits. Ton oncle, moi, Masako Adachi. Mais seul un enfant croit à la perfection de ses aînés. Continuez, Sensei. Nous portons tous des armes. De nous dépendent la vie et la mort. Et vous maniez ce pouvoir avec bien trop d'aisance. Dans le cas contraire, je serais mort. Et toi aussi, fantôme. Tout le monde n'a pas l'âme d'un samouraï. Mais nous tuons tous. On a encore un camp à démanteler à Otsuna.
Pas des excuses. Les fermiers savent peut-être. Peut-être. Seigneur Sakai, je m'inquiète pour elle. Junjin, que se passe-t-il? Dame Masako cherche quelqu'un. Elle m'en veut de ne pas pouvoir l'aider. Vous n'avez rien à craindre. J'irai lui parler. Merci, Seigneur Sakai. Et merci d'avoir chassé les Mongols de cette ferme. Maintenant, nous allons reconstruire. Ces gens ont de la chance de vous avoir. Au revoir. La voleuse. À gauche vers le pont, escorté par des hommes armés. Merci. Ce sera tout. Connaissait-il la personne que vous cherchez? Un nom sur la liste. Une voleuse. Je vais vous aider à la trouver. Je préfère m'en occuper seule. Les fermiers l'ont vu partir avec des hommes armés. Des mercenaires. Des tueurs professionnels. Il pourrait compliquer les choses. J'accepte ton aide, mais je requiers ta discrétion. Faites-moi confiance. D'après les fermiers, ils sont partis vers le pont à l'extérieur des fermes. C'est par ici. Nous sommes en vue. Je suis... Alors, qui est cette voleuse? Elle a pillé la propriété du clan Adachi après l'attaque. Elle a volé des biens de valeur, des objets personnels. Le plus triste, c'est que Mai a été notre servante autrefois. Il y a 3 ans, mon mari l'a surprise en train de voler. Il voulait la faire fouetter. J'ai fait ce que je pouvais pour elle, mais elle devait partir. On croirait presque qu'elle vous manque. C'était une amie très chère. Sa trahison n'en est que plus douloureuse. La voilà. Avec les mercenaires. Allons-y, discrètement. Discrètement. Je compte bien tout revendre. J'attends simplement le bon moment. Trop tard. Il revendra ses biens lui-même. Conduis-nous à eux. Je vous paierai. De Rodin. Que vous me les laissiez. Tu n'as pas d'argent. J'ai ce peigne. Il est en or. Avec des perles. C'était un cadeau. Pourrait valoir très cher. Non. On nous tuerait. Arrête ce petit jeu. Conduis-nous à ses biens. Nous n'avons pas besoin d'interroger les mercenaires. Elle suffit. Plus nous en éliminerons, plus il sera facile de reprendre ce qui est à vous. Sois discret. Ils s'en prendront à eux. Attention, tu seras à découvert. Abrite-toi. Elle a crié comme ça, elle. Regarde, il est distrait. Je m'en charge. Nous sommes assurés.
Les tuer, hein. Ils vont nous repérer. En vrai, j'en tue 2 et je les ai là, mais je sais pas si ça va compter comme c'est dans l'histoire ou quoi. En vrai, je peux les avoir. Trop près. Bah, je peux la voir là. Et tout seul, il va faire quoi? On va attendre. La jeune femme devenue démon vola jusqu'au monastère. Le moine la vit arriver et se cacha sous une cloche. Mais la jeune femme était rusée. Elle mit le feu tout autour de la cloche. Celle-ci fut. Dame Sasaki, tuez-les! Tuez-les! Raconte-le! Non! Gueulez, chez gueulez! Jin, je dois parler à Mai. Je suis là, si besoin. Tu as volé mon héritage familial au profit de ces meurtriers. Comment as-tu pu me trahir? Ce n'est pas vrai. C'est vous qui m'avez trahi. Comment ça? Vous m'avez chassé. Je t'ai sauvé. Mon époux voulait te faire battre. Il savait. Vous auriez dû partir avec moi. J'étais la dame du clan Adachi. Et tu n'étais qu'une voleuse. Je vous aime encore. Alors dis-moi qui tu sers. Il a tué ma famille. Et il me tuera moi. Je ne le laisserai pas faire. Je vous mènerai au bien de votre famille. Allez, hein, on te suit. Nous savons que tu travailles pour un samouraï. J'ignore son nom. Je ne l'ai même jamais vu. Il communiquait toujours par message. Il savait prendre. Madame. Comment? Je l'ignore. Il disait qu'il savait ce que c'était que de vous aimer et qu'il comprenait ma douleur. Masako. Mai était ma seule. Je l'ai jamais vu. Il était préoccupé par ses biens. Il avait peur qu'ils soient cassés. Il compte les revendre. Leur valeur est purement sentimentale. Il n'en tirera presque rien. Alors peut-être qu'il ne veut pas les vendre. Peut-être qu'il tient lui aussi à ses objets. Dans ses messages, il était possessif. Comme s'il lui appartenait. Ses biens n'ont jamais appartenu qu'à ma famille. Je suis la seule encore en vie. Vos biens sont dans les broussailles. Jin, peux-tu les rassembler ? J'aimerais lui dire au revoir. Dans les broussailles. Oui, Mai.
Samouraïs. Elle est rentrée chez elle. Jin, je veux que tu saches que je... Vous ne me devez aucune explication. J'aimais vraiment mon époux. Mais il est vrai que j'aimais Mal tout autant. Vous l'aimez encore? Et à jamais, je crois. L'homme que nous cherchons a des sentiments pour vous. À part mon mari et Mai, je n'ai pas eu de romance. Je n'ai aucun courtisan. Il a pu mentir et feindre la compassion pour attirer des recrues. Je ne vois pas qui pourrait faire cela. Nous le découvrirons. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai encore affaire à Toyotama. Rejoins-moi dès que possible. Ça marche. Allez, je te suis, grand fou. On va faire ça tranquille. Je suis. Pousse-toi, toi. Eh, des grenouilles. Ah, j'ai perdu l'autre fou, il est où? C'est la reine que j'ai battue tout à l'heure, le gars. Il était dedans. Les marafes. Elle est stylée, reine.
Quoi, c'est une peinture hein. Ouais. Le manche, il est beau, le manche. Malheureusement, pas encore. Un samouraï n'a pas le temps à ça. Je sais même pas si c'est par là. Peut-être je n'en peux plus. Jouer une heure et demie après chez Ninja, j'en peux plus. Ah, ça va mieux là. Y a pas de temps de fricoter. C'est un peu con qu'il peut nager. Bon, après il a une armure mais... pas faire ça parce que tu vas rester coincé. Il faut passer où là? YOLO! J'ai plus d'FPS là. C'est pas pourquoi. YOLO! Ah tu tombes, tu pleures. Même si ça lag, on s'en fout nous. Quoi? Honoré. En fait, c'est bizarre, en fait, ça accumule tous les combats que j'ai fait. La force, ça lag.
La force de jouer, c'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Ça, c'est bon. On le suivra plus tard. Ok. Du coup, on va s'arrêter là.